journée consécutive. Et puis, il y a moins d'entrées aux urgences aussi. Le docteur Mathias Vargon, chef du service des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, l'a constaté, mais il veut rester prudent. On est tout à fait dans un entre-deux. On ne sait pas si ça va remonter. C'est la grande peur de tout le monde, c'est que ça remonte. Ce que j'espère, en fait, c'est que le confinement, on sait qu'il y aura des patients avec le Covid qui se présenteront aux urgences. Ce qu'on espère, c'est qu'on pourra les intégrer dans un flux de patients normaux, en fait. C'est-à-dire travailler comme on travaille d'habitude, avec des patients à l'isolement, ça nous arrive toute l'année, des patients qui ont des maladies transmissibles, ne serait-ce que la grippe. Si, par contre, on a une deuxième grosse vague, on sera obligé de revenir dans un état qui sera celui de maintenant.